Le coup d'envoi du match est donné. On s'attend à des performances de grande classe dès les premières foulées. Voilà, l'arbitre a donné le coup d'envoi. On espère que le jeu sera à la hauteur de toutes nos attentes. Ils peuvent construire quelque chose. Va-t-il marquer ? C'est bien de la part du défenseur. Valenciano. Balzaretti. Tout près de la cage. Bien dégagé. Bien joué, ça peut faire un contre. Attention, c'est parti très vite. Il tente. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement, le défenseur était là. Elle est formidable, cette passe en profondeur. Le goal a la situation en main. Bovo. Valenciano. Nouvelle occasion de centrer. Une défense intraitable, superbe. Le ballon a franchi la ligne. Encore une belle occasion. Un gros dégagement qui enlève tout danger. L'attaque ne donnera rien. Une belle passe, plein axe. Encore une occasion de centrer. Et le gardien récupère le ballon. Interception de la défense. Qui va reprendre le ballon ? La balle n'est pas passée. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. Il arrive devant le nez du gardien. C'est trop loin du poteau gauche. Une très longue passe. Bien défendu, le ballon est récupéré. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Ça peut donner quelque chose. Il est dans la surface, face au gardien. Il frappe au but. Oui, il était bien hors jeu. Bien vu l'arbitre assistant. Bonne lecture du jeu. Il prend le ballon de la tête. Il essaie de marquer. C'est extrêmement décevant. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match.
est trop trop chaud pour le gardien. Il lâche une frappe. Touche. Ils peuvent construire quelque chose. La défense est malmenée sur le côté. Et but ! Fantastique ! Il marque en début de match. Oh, que ça démarre mal pour les adversaires qui sont littéralement assommés. Et quand on connaît son jeu de tête, si tu oublies de le marquer dans les 18 mètres, t'as plus qu'à regarder le tableau d'affichage. La foule est extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Ah, voilà un but qui arrive bien, et ça pourrait bien ouvrir le jeu. Ça va sûrement stimuler l'adversaire à tenter d'en rattraper un avant la pause. C'est pas vraiment le meilleur moment, coup franc. C'est un carton jaune, et il est justifié car vraiment la faute est flagrante. Désormais, il va devoir faire attention. Nouvelle occasion de centrer. Il se défend bien. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. C'est bien frappé, mais ce n'est pas cadré. Le gardien est resté droit jusqu'au dernier moment. Il a pu déjouer dans les derniers gestes. Le ballon circule bien, il y a de bonnes combinaisons. Tout ça, c'est bien joli, mais il faut tout de suite marquer. Et c'est dégagé. Eh oui, c'était imprécis. Bonne interception. Encore une belle occasion. Il tire. Ça va peut-être rentrer. Incroyable, c'est le deuxième but. Deux réalisations en moins de 5 minutes. C'est étonnant, il avait tout le temps de capter ce ballon et il le relâche juste devant un attaquant qui n'a plus qu'à la mettre au fond. C'est vraiment une bonne avance. Bon, c'est sûr, ils ont augmenté leur avance. Vous connaissez l'entraîneur, je peux vous dire. Je doute qu'il veuille ralentir la cadence. Il voudra qu'ils continuent, qu'ils appuient, qu'ils continuent à attaquer. Que les attaquants fassent leur boulot et mettent l'adversaire en déroute. La défense est prise à revers. Bonne réaction de la défense. Encore une occasion de centrer. Et ils obtiennent une touche dans le camp adverse. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Oh, il a fait une reprise de volée de notre monde. Dommage que son tir soit passé à côté. Allez !
ses forces. Oh, ce ballon a flirté avec le poteau gauche. Pourquoi pas tirer, personne ne l'attaque. En général, on ne t'attaque pas, tu peux avancer, mais là, c'était bien de frapper. Balzaretti. Il envoie le ballon loin devant. Du pied, dégagement sûr. Il se défend bien. Joli dédoublement. Bien joué. Le gardien est en danger. Bien vu de la part du défenseur qui dégage en corner. Le ballon est dans les airs. But ! Oh, c'est vraiment un joueur de grande classe. Et les défenseurs n'ont pas fini de le découvrir. Christian, c'est une belle rencontre à laquelle nous assistons. Ah, le but de la tête nous a montré quand même que le foot, ça ne se jouait pas qu'avec les pieds. Et qu'avoir la grosse tête, ça pouvait toujours servir. Seulement un but sépare les deux équipes. Ah, encaisser un but alors qu'on a deux buts d'avance, c'est toujours problématique. Il y a toujours de l'anxiété qui arrive, il y a toujours du doute. Maintenant, il va falloir qu'ils se resserrent les coudes et qu'ils rétablissent leur avantage le plus tôt possible. Balzaretti. La balle change de propriétaire. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Ils peuvent construire quelque chose. Il décoche un tir. Le gardien peut pousser un ouf de soulagement, mais heureusement, il n'y avait pas de buteur pour mettre la balle au fond. Encore une occasion de centrer. Et il réussit une tête. Il a complètement gâché cette occasion. Et là, c'est vraiment dommage. C'est le centre parfait. Il suffit simplement à l'attaquant d'avoir le bon timing et juste de la toucher. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions bonnes à jouer. Ils peuvent construire quelque chose. Pas de doute, corner à leur faveur. Ballon brossé vers le but. Aïe, 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 aïe. L'égalisation, elle fait mal. Mais nous allons plutôt insister à un très grand match. Le cas Christian, avec ce but de la tête, on ne sera pas venu pour rien. On a même oublié dans notre commentaire que ce joueur il avait les pieds en croissant. Ce doublé est mérité. Ce joueur est vraiment au top de sa forme. La finition est superbe. Deux buts partout, ils ont du mal à se départager. Ils n'ont pas tenu le temps qu'ils auraient voulu. J'ai le sentiment que la défense est un peu relâchée après avoir pris l'avance. Mais ça arrive souvent, ça. Allez, il faut qu'ils repoussent et marquent à nouveau maintenant. Avant le repos. Il va marquer. Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. C'est vraiment dommage. Il est tout seul. Il a le temps de faire cette frappe-là. Il a même le temps de lire le journal avant de marquer. Ah, c'est pas mal joué. Attention, il frappe. C'est vraiment trop loin du cadre. Oh, il n'a même pas la place pour passer une allumette.
À nouveau une tête. Ça, c'est vraiment du beau football. Le ballon circule bien au sol ou dans le domaine aérien. En face, ils sont perdus. Joli duel, le ballon est gagné. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Frappe directe. C'est dégagé. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Et nous avons droit à une nouvelle touche. Ils obtiennent une nouvelle touche. La balle n'est pas passée. Un ballon repassé en arrière. Nouvelle occasion de centrer. Et c'est une sortie de but. C'est bien, ils parviennent à conserver le ballon. Valenciano. Ce tacle n'est pas réglementaire, coup franc. Carton rouge. Pour être honnête, tout le monde, y compris le premier concerné, est surpris de la décision rapide de l'arbitre. C'est un peu loin pour tenter un tir au but. On est parti pour un drôle de compte. Bon blocage par le défenseur. Un long ballon vers l'avant. Le ballon est pour l'autre équipe. Encore une belle occasion. Valenciano, Nicoli. La défense a récupéré le ballon. C'était là l'occasion de marquer un but, mais le défenseur a dégagé en corner. C'est très haut. Tentative de la tête. Oh oui, c'est dedans. Quelle déception, ils ont encaissé deux buts alors qu'ils menaient pourtant. Quand on connaît son jeu de tête, si tu lui dis de le marquer dans les 18 mètres, t'as plus qu'à regarder le tableau d'affichage. Ils ont un but de retard, mais c'est pas terminé. Ah, ils avaient pris un super départ en marquant le premier but. L'entraîneur ne sera pas content parce qu'ils ont laissé passer cette avance au moment où ils tenaient le match. Et il va falloir qu'ils repartent, qu'ils remettent de la volonté s'ils sont encore à la traîne à la mi-temps. Belle passe en profondeur. Oh,
passe profonde interceptée et dégagée par sécurité. Il pique le ballon directement dans les gants du portier. Quarantième minute de jeu et il ne mène que d'un but. Une très longue passe. Bonne action, le ballon est récupéré. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Ce contre peut être redoutable. Encore une occasion de centrer. C'était dans la surface de réparation et c'était chaud, chaud, chaud. Balzaretti. Interception de la défense. Il dégage des coups de tête. Quelle belle occasion! Il est hors jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Balzaretti. L'arbitre assistant annonce une minute de temps additionnel. Balzaretti. La balle change de propriétaire. Nicoli. Ils peuvent construire quelque chose. Il va peut-être marquer. Aucune difficulté pour le goal. L'arbitre siffle, c'est déjà la mi-temps. A tout de suite. C'est dommage, quoi. La deuxième période commence à peine, c'est parti pour 45 minutes. L'entraîneur doit savoir où il va car il n'a fait aucun changement, même si son équipe est menée. Facile pour la défense. L'entraîneur le sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Désormais, il faut contrer. Nouvelle occasion de centrer. Il renvoie le ballon au portier. Valenciano. Il n'a toujours pas perdu le contrôle du ballon. Il se défend bien. Bovo. Balzaretti. Valenciano. Encore une belle occasion. Dégagé par le défenseur. Balzaretti. Valenciano. Et le voici qui remonte à toute vitesse de l'arrière.
C'est une véritable passe à 10, un tour de football. Les défenseurs sont totalement désemparés. Encore une occasion de centrer. Tranquille pour le gardien. Une telle cohésion est assez impressionnante. Ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Nouvelle occasion de centrer. La frappe est décochée. C'est presque cadré. Quelle frappe! Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours en rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chasse d'une pointure de plus et c'était bon. Valenciano. Balzaretti. Bien défendu, le ballon est récupéré. Encore une belle occasion. Oh, ça va vite! Bien joué. Trajectoire coupée par le défenseur. L'agressivité n'est pas bonne, coup franc. L'arbitre va sortir un carton jaune, c'est justifié. Et le joueur a de la chance car il pouvait sortir un rouge. Ils peuvent construire quelque chose. Balle au pied, c'est toujours efficace, il remonte le terrain. Il vient renforcer ses attaquants. Le ballon circule, il n'y a pas de problème, mais il faut concrétiser ses mouvements. Le gardien a fait le ménage. Précision. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Bien vu. Balzaretti. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Ça peut se terminer au fond. Et c'est un corner pour eux. Il envoie au milieu de la surface et le goal le laisse tomber. Oui, 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 bien sûr, bien joué, bien joué. Ce but est important. L'égalisation donc. On va avoir une fin de match complètement folle. Dans la surface, ce genre de joueur se jette sur tous les ballons comme un mort de faim. C'est un renard des surfaces.
demander de plus? Ils sont revenus à 3 partout. Là, je peux vous dire que les fans sont comblés. Il y a même ma femme dans la tribune. Quel instant sensationnel pour marquer. Et ils sentent qu'avec l'appui de leur public, ils peuvent aller de l'avant. Quelle superbe match ça va devenir maintenant. Ils sont partis sur l'aile. On joue depuis une heure. ...15 minutes dans la seconde période. Ils conservent le ballon, ils sont maîtres du jeu. C'est bien joué en profondeur sur le côté. S'il marque sur ce corner, il pourrait maintenir la pression. Il tire au premier poteau. Bon dégagement. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Au niveau de la stratégie défensive, c'est bien joué, mais évidemment, les supporters aimeraient en voir plus. Non, le ballon a été intercepté. Quelle lecture du jeu, il n'y a rien à dire. Valenciano. Ils reprennent le ballon. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. C'est peut-être le tournant du match. C'est dommage, il faut rester concentré pour viser le cadre. Et l'entraîneur et les joueurs se prennent la tête. On la croyait déjà de... Il l'emporte dans ses duels aériens. Oh, ce contre, il peut mener loin. Valenciano. Ils peuvent construire quelque chose. C'est pas réglementaire, coup franc bien sûr. C'est un carton jaune et il est justifié car vraiment la faute est flagrante. Désormais, il va devoir faire attention. Il y a plusieurs possibilités. Quelles sont les options? C'est cadré de la tête. Il y a trop d'effet dans ce ballon. Oh, ce ballon va remonter très vite. Encore une occasion de centrer. Il vise la cible. Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. Coup franc pour l'équipe adverse suite à cette faute. L'arbitre va sortir un carton jaune, c'est justifié. Et le joueur a de la chance car il pouvait sortir un rouge. Une belle occasion de prendre l'avantage. Ça va peut-être rentrer. Oh oui, c'est dedans. C'est un scénario absolument renversant. Génial. Oh, ce but, il est tellement beau que même les adversaires sont en train de le faire signer des autographes. Il réalise vraiment de belles choses. C'est un travailleur infatigable et c'est bien qu'il soit récompensé par ses deux buts. Franchement, on est gâté. Il y a des buts dans tous les sens. Là, c'est le bon moment. Ils ont réussi à inverser la situation. Je pense que ça va un petit peu réchauffer les supporters. Je pense qu'on va les entendre un peu plus maintenant. Encore une belle occasion. Tire de si loin. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Oh, une telle boulet de canon, ça aurait pu donner du spectaculaire. Hein. Mais en général, ça manque de précision, ce genre de frappe.
Balzar et tout. Ils peuvent construire quelque chose. Il va marquer. C'est à quelques mètres du poteau droit. Bon, là, c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Très bonne maîtrise défensive. Perte du ballon. Attention. Il fallait la boxer celle-là. Ah oui, le but est valable. Il est parfaitement valable. Voilà cette rencontre totalement relancée. Sur ce but, vous avez vu Christian. Il ne s'est pas posé de questions. Ça a été un véritable killer. Les buteurs des deux camps sont à l'affiche et on pourrait en voir d'autres. Là, c'est bien qu'ils égalisent. On peut s'attendre à une fin intéressante quand même. Est-ce qu'on va avoir un éclair de génie ou alors une cagade de la défense? Ouais, le pressing, ça paye. La touche est bien placée. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Bien joué, la demi-volée. Bien défendu. De Jong. Très belle passe en profondeur. Quelle belle demi-volée! Le ballon passe loin du poteau gauche. Et si la défense dort maintenant, ils auront plus rien pour la sieste. Si tu laisses frapper, heureusement que c'est passé à côté. Elle est belle cette passe. Centre détourné. Le ballon est dans les airs. Trajectoire coupée par le défenseur. L'attaque est stoppée, ça ne donnera rien. Sur ce coup-là, il ne risque rien. Bovo. Balzaretti. Presque 75 minutes écoulées. C'est vraiment un super défenseur, on le voit là-dessus. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. La passe a été interceptée. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien. On va peut-être voir de belles choses. Encore une occasion de centrer. Il a plusieurs solutions. Remise en jeu à leur faveur. Que vont-ils faire? L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Nouvelle occasion de centrer. Il est dans la surface, face au gardien. Attention, il frappe. Tire du droit, mais il en fait plus combattre le gardien. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Cette passe en profondeur n'a rien donné. Elle est dégagée. Pour De Jong. Bien joué.
plus à pied de la touche. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Ils peuvent construire quelque chose. Comportement inadmissible, l'arbitre siffle, c'est normal. Ça ne va pas être facile d'ici. Accordé, mais oui, c'est trop physique. Qui va le tirer? Il décoche un tir. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et je peux vous dire, c'est pas le genre d'occasion qui manque en général. À mon avis, il a joué un petit peu trop facile. Le ballon est attrapé par le gardien. Bon réflexe, bien joué. Nouvelle touche. Avec l'arbitre, coup franc mérité. Ça ne va pas être facile d'ici. Ils vont effectuer cette touche. Il peut peut-être s'entrer après ce débordement. Une seule minute d'arrêt de jeu. Le ballon subtilisé par l'adversaire. L'arbitre signale la fin du match. Il faut donc rentrer au vestiaire. C'est fini, c'est fini. Mais quel match fantastique. Début dans tous les sens. C'était un véritable régal.